Salah Elkaz, combattant en moins de 60 kilos. On vient d'arriver au stade pour cette première journée des championnats du monde. Avec trois de mes coéquipiers, on va essayer de donner le maximum et représenter la nation comme il se doit. Bonjour, je me présente Sofiane Alouache, entraîneur national. C'est le troisième jour en Serbie. Aujourd'hui, c'est la première journée de compétition. Là, on fait un petit réveil musculaire pour les autres boxeurs. Et on en a quatre qui boxent aujourd'hui. Voilà. C'est pas le fait sourire, c'est toi le meilleur, c'est pas lui. Toujours ton pied gauche à l'extérieur du sol. Et tu tournes sur ta gauche. Donc bonjour, moi c'est Bérou Alan. Aujourd'hui c'est le premier jour de compétition. Je boxe à 13h en kickboxing, donc j'ai la forme et j'espère que ça va tout va bien se passer et on va continuer le chemin chaque jour qui va suivre. Tranquille, que de la vitesse. Avec les coups de pied de côté, si tu le fais sortir le mec, par contre, c'est lui qui va prendre le coup de pied. Allez,
voilà, j'ai sorti mon premier combat, deuxième de finale. Mais physiquement, j'étais là. Le gars en face n'était pas trop mauvais, mais j'étais plus fort physiquement et plus déterminé que lui aujourd'hui. Et voilà, j'achève une victoire et maintenant, c'est l'heure du repos, on reprend demain. Bonjour à tous, Nader Alouache, président délégué de la Fédération française kickboxing et Muay Thai et discipline associée. Bah écoutez, je suis très fier et très content de cette belle journée. La compétition a démarré ce matin à partir de midi. Bah, 4 combats, 4 victoires haut la main. L'ambiance elle est magnifique, le groupe est très soudé, les entraîneurs ont fait leur boulot. Aujourd'hui on est encore très fiers de vous les enfants, continuez comme ça, suivez la Fédération, c'est une très belle aventure. A bientôt et merci pour tout.